Bonjour à tous, je suis Tony. Et moi Daphné, on est les jumeaux infernaux. Extraordinaire. Ok. UV2, le shadow. La bonne nouvelle, c'est qu'à force d'en faire, ça va finir par vous plaire. Au début, ça ne sera pas forcément le cas. Donc le shadow, vous devez y laisser votre cœur et vos poumons. Vous devez tout donner. Si vous n'arrivez pas complètement mort à la fin du shadow, c'est pas bon. Donc vous devez donner tout ce que vous pouvez donner en fonction de vos capacités physiques. Donc il n'y a pas une règle en particulier. Ce qui va être important, à mon sens, c'est de ne pas tout enchaîner d'un coup, tout le programme, parce que vous l'aurez fini en 30 secondes et le jury, après, vous allez meubler pendant 2 minutes 30, vous aurez tendance à répéter les mêmes choses. Le jury va s'ennuyer et un jury qui s'ennuie, c'est jamais très bon. Donc, moi, ce que m'a enseigné Thomas Ezena et que j'ai trouvé vraiment super, c'est de découper par bloc. Donc, la première minute, on va s'occuper uniquement de la partie coup de poing, donc avant, arrière, gauche, droite, puis gauche. Et entre chaque imposé, on va meubler. Donc, on meuble soit avec des coups, soit avec des esquives, soit avec des déplacements. Dans tous les cas, le jury, il veut voir du déplacement, de l'esquive et des variations de coups. Il y a plein de choses dans le répertoire, ça vous permet en fait de peu répéter en faisant comme ça. Vous allez travailler tranquillement et on va, comme a dit Daphné, faire par étapes. Mon première étape, c'est déplacement avant avec mon poids avant, tout le temps avec mon jab ou avec mon poids avant, comme vous voulez. On commence, le jury va donner le top. 1, 2, 3 par exemple, et je me déplace, comme elle vient de dire. 1, 2, 3, et je me déplace. Maintenant, je vais vers l'arrière. Je passe bien ma hanche et je me déplace. La façon, comme dit Daphné, de faire l'exercice en posé, en enchaînement, exercice en posé, il va vous donner le temps de réfléchir. Et... ben, le temps, il faut le meubler. Toi, vous faites comme a fait Tony. Moi, mon truc, c'est plus d'aller faire mon coup. Donc, pam, pam, par exemple. Pensez bien à varier aussi pic, pomme, point, hyper important. Donc, moi, quand je commence, à chaque fois, je fais pic, pomme. Comme ça, je suis sûre d'en avoir fait au moins deux. Je me déplace. Je fais un autre truc, typiquement moi je faisais une gifle, jab cross, un genou. Les genoux ça compte hein, pour les coups de pied aussi. Hein. Et un déplacement avant de faire mon arrière. Donc là paf, je mettais de la pomme aussi, comme ça ça comptait quand même comme variation. Puisqu'après je sais que dans les autres coups j'aurais tendance à mettre des points facilement. Là, une fois qu'on est là, moi je mettais souvent une esquive crochet, 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 de façon à avoir quelque chose d'autre. Je me déplace ou alors je fais un pivot, les pivots c'est important aussi. Et là, je partais sur vers la droite, pam, pam. Voilà, ce genre de choses. Un imposé, je me déplace, je meuble. Un imposé, je me déplace, je meuble. Et comme ça, déjà, ça nous fait la première minute avec les coups de poing. La deuxième minute, même chose avec les coups de pied pas chassés. Toujours le même principe. Coup de pied pas chassé, j'enchaîne quelque chose. Je me déplace, je meuble. Bien penser aussi à envoyer les esquives et tous les types de déplacements, ça c'est important. Et après, tous les coups. Souvent, on nous déconseille de mettre les coups de pied sautés parce qu'ils sont à la deuxième darga. Moi, perso, sur la dernière minute, je me suis dit, quitte à cracher mon cœur et mes poumons, on va se lâcher. Et du coup, j'ai balancé tous les coups de pied sautés parce que j'aime bien les faire et que ça allait bien. Le jour J, faites surtout ce avec quoi vous êtes à l'aise. Il ne faut pas se mettre en difficulté, surtout si ce n'est pas dans les imposés. Mais par contre, présentez quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. Pensez au poids de corps, pensez surtout à passer l'ange sur le cross parce que souvent ça bloque. Et surtout, voilà, vous donnez tout ce que vous avez à donner. Aussi important quand vous envoyez les coups, évitez de laisser la main un peu ouverte. C'est un collègue qui m'a dit souvent parce que moi j'avais la tendance, comme on vient de la boxe, à, comme on a le gant, à laisser un peu mon poing un peu ouvert. Okay? Parce que comme on a les gants de boxe, on s'en fout un peu. Mais. Pensez bien à bien enfermer sur tout l'exercice et bien marquer main ouverte, pic au poing. Ok, toujours. Parce que s'il ne voit pas la différence, c'est la chose qui me sont dit à moi au passage à blanc. Il ne voyait pas la différence entre pont, pic et poing. Encore que pour moi, c'est veillé correctement et tout le monde me disait la même chose. Mais bon, pour éviter ça, bien fermer le poing, bien marquer votre différente frappe. Voilà. Et surtout, faites pas juste du scolaire. Moi, j'ai mis longtemps, très longtemps à comprendre que quand on fait du joli truc, bien propre, machin, moi, j'avais l'impression que mon shadow, il était pas si dégueu. Sauf qu'en fait, comme on m'a dit, c'est du shadow de danseuse. Personne n'y croit, en fait. Le principe, c'est qu'on a quelqu'un face à nous. Donc, si nos coups, ils sont pas crédibles, bah, du coup, le shadow, il est pas crédible. Donc, si on donne du joli petit coup de poing comme ça, même si la forme de frappe, elle est bonne,
c'est pas crédible. Il faut vraiment envoyer et aller vraiment taper une personne. Hyper important. Donc ça, pour bien le développer, si vous avez tendance à être un peu comme moi à la base, avoir aucun backup de background de combat et du coup pas savoir mettre des coups vraiment, faites du sac. C'est vraiment ce qui, moi, personnellement, m'a le plus aidé. Et la dernière astuce que je vous pouvez donner, quand vous travaillez à la maison, pour moi, comme je l'ai travaillé, j'ai travaillé 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Vous dire que ça vous fait monter beaucoup le cardio, vous travaillez 3 minutes, vous arrêtez 1 minute de pause, 3 minutes, 1 minute de pause. Sauf que la première minute, je travaille lentement pour bien marquer les mouvements. La deuxième minute, j'essaie de monter la vitesse. La troisième minute, je vais à fond. C'est quand je vais être plus fatigué. Et là, les mains vont avoir la tendance à descendre. Là, c'est quand vous devez bien penser à avoir tout le temps la garde en haut. Parce que sinon, dans les shadows, il y aura un moment que vous êtes fatigué parce que vous êtes à fond. Les mains vont rester là. Et là, ça, les jurés ne vont pas les mettre. Et pareil, pour travailler le cardio, en fait, moi au départ j'ai tout testé, hein, faire du footing, de la corde, tout ça. Et finalement ça ne me servait à rien, j'avais beau faire une heure de footing, mais 3 minutes de shadow je ne les tenais pas. Et c'est Benjamin Sarfati qui nous a dit, bah non, en fait quand vous faites du cardio pour un sport, faites-le dans ce sport. Donc effectivement, bah, si vous voulez bosser votre cardio, enchaînez le shadow et c'est ce qui va le plus fonctionner. Concernant les coups de pied, attention aussi à où vous reposez votre pied. En fait, quand vous êtes dans votre shadow, vous faites votre coup de pied direct avant, allez pas reposer en avant parce que ça fait déséquilibrer, c'est très très moche. Donc c'est vraiment vous, votre coup de pied direct et vous revenez au même endroit pour vraiment donner cette impression de je suis stabilisé. Hyper important ça, où vous posez le pied après le coup de pied. La même chose, essayez de, entre exercice en posé et exercice en posé, quand vous allez combler les trous avec un échangement, Avec des enchaînements. Essayez de varier les frappes. Moi, j'avais le problème que souvent, je mettais marteau. Alors, évitez de répéter la même chose ou répéter la même chose, mais de façon différente. Comme ça, le jour de l'examen, vous allez avoir un éventail de techniques différentes qui va vous permettre de travailler. Moi, par exemple, quand j'ai fait mon shadow, j'ai fait mon imposé, après j'ai mis sur l'âge et j'ai fait comme je veux. C'est comme ça, bien. J'ai fait instinctif. Et comme c'est les techniques que j'ai répétées plein de fois, j'essaie de les mélanger sans réfléchir. Voilà, alors que moi c'est complètement le contraire. J'essaye de faire un récital, avoir le moins de répétitions possible du même coup. Et par contre, je passe mon temps à cogiter mon shadow. Alors c'est pas quelque chose que j'ai appris par cœur, que j'ai scénarisé. Mais en fait, tous les soirs ou la journée quand je suis pas occupée, je me fais mon shadow dans ma tête. Comme ça, j'essaye de trouver des coups différents, des variations et de façon à pas toujours répéter les mêmes choses. Et à force de le répéter dans ma tête, bah, du coup les coups viennent plus facilement. Après, il y a un truc qui est assez génial que m'a enseigné Jimmy V. C'est ce que j'appelle les bébés shadow. En fait, c'est vous restez dans votre tête, les yeux fermés. Enfin, alors, il y en a qui. Moi, je ferme les yeux, c'est pas obligatoire. Et vous faites en fait le shadow dans votre tête avec des micro-mouvements. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Ça va pas chercher plus loin. Mais en fait, du coup, vous répétez votre shadow. Et vous faites tout votre shadow comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous passez à votre vrai shadow. Et ça permet vraiment de mieux le faire et c'est de la visualisation un petit peu tout en participant. Ça fait un peu comme les pilotes d'avion aussi font à la patrouille de France. Et ça marche vraiment bien. Moi, ça m'a bien amélioré le shadow, ça et le sac. Et le fait d'y penser beaucoup et d'essayer de trouver des coups variés. Et maintenant, c'est l'UV3.